Bonjour, je suis Eric Anto, j'ai 38 ans. Je travaille en gestion de configuration pour un constructeur aéronautique depuis une quinzaine d'années. Et je suis intervenant industriel à Evering pour le Master 2 support client. Et je suis diplômé moi-même d'un Master 2 IMSAT à Evering. Donc j'ai accepté volontiers d'intervenir dans le module de gestion de configuration pour ce master, car pour moi c'est très important de pouvoir partager ces connaissances, ça me permet de progresser, ça permet aux étudiants de progresser. Et de plus, j'admire leur courage de reprendre des études alors qu'ils ont une vie professionnelle à côté. De plus, ce master est vraiment très valorisable sur le marché du travail et ça leur permet d'évoluer au sein de leur carrière ou de pouvoir entamer une reconversion professionnelle. Mes motivations professionnelles pour intervenir au sein de ce master sont que la gestion de configuration est une discipline très utilisée au sein du milieu aéronautique, mais très peu enseignée à l'école. Cette discipline permet de gérer les évolutions du produit tout au long de son cycle industriel. La gestion de configuration permet également de s'assurer que le produit qu'a commandé le client est vraiment celui qu'il va recevoir. Et la gestion de configuration est une discipline transverse qui s'applique au long de tout le cycle de vie du produit, depuis sa phase de contractualisation jusqu'à sa phase d'exploitation en service. Donc, j'interviens sur ce master pendant une durée d'un semestre qui se fait en distanciel avec quelques sessions en présentiel. Donc, je rencontre les apprenants lors du kick-off meeting au début du semestre pour qu'on puisse avoir un contact physique où je leur fais une petite introduction du contenu du cours. Puis, pendant la période des 6 mois à venir, nous avons des interactions à distance sur lesquelles nous travaillons via la plateforme Moodle. Les étudiants consultent les cours directement via cette plateforme. Nous faisons des TD, des exercices à distance via cette plateforme. S'ils ont des questions, ils me les adressent via cette plateforme. On peut organiser aussi des vidéoconférences pour clarifier des points. Ils font aussi entre eux des groupes d'étudiants pour pouvoir s'aider et interagir entre eux. À la fin du semestre, je les revois une fois encore en présentiel pour qu'on organise un TD ensemble où on récapitule aussi le cours. Et je suis là aussi en présentiel avec eux pour qu'ils passent l'examen. En résumé, je leur fais passer et je leur transmets toute mon expérience acquise au cours de mes 15 années dans le monde professionnel.